c'est très... C'est quoi ce bordel? Et aujourd'hui, si vous n'aimez pas la chanson et les nouveaux espoirs, eh ben, zappez, changez de radio, changez de télé, parce qu'on fait une spéciale Nouvelle Star. Donc, il y a des gens qui vont venir chanter, qui vont être jugés par vous tous. André Manoukian, qui n'a rien à voir. Alors, j'ai dit au public, ne vous forcez pas. Hein, moi-même, je n'aime pas plus que ça André Manoukian. Ben voilà, c'est votre cœur qui parle. Marco Prince. Armand Altaï. Philippe Manœuvre. Yes, yes. Salut Marco. Salut Didier, quoi. Ça déchire. Mathieu Gonnet. Et voilà. Alors. Ok. Et paf. Mais il n'a rien à voir avec la Nouvelle Star ou la Starac, Pef. Si, parce que Pef, il chante sur scène un spectacle que j'ai adoré qui s'appelle Spamerlot. Spamlot. Ça veut dire quoi, Spamlot? Je sais pas, moi. Alors, Spamlot, si je puis me permettre, ça vient Attends, de. Attends, Mathieu, c'est pas toi que je parle. parce que je t'explique. Est-ce que je peux répondre avec la voix de Mathieu? Il y a deux ans, Pef a mal pris l'émission. Ah, non, mais voilà. Et on s'en est expliqué. Donc, il faut faire attention à Pef parce qu'il est fragile et il faut. L'entourer d'amour, on va faire en sorte que tu repartes avec une bonne impression. Alors, Spamlot, ça non, veut dire. Non, on s'en fout là. Bon, bah, c'est pas gagné. Hein. Vous connaissez le principe de Mr. Chatch? Non. Aline, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie? Je suis infirmière. Tu vas faire quoi pendant une heure? Alors, je vais chanter les tubes de la Starac. Ah! Qui sont, par exemple? Moi qui brûlais ma vie, au coin des nuits, qui marchais sans but, oh là là. Au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien, qu'à ces petits matins. Elle chante bien, non? Allô, bon chante peu pas mal, hein. Elle chante juste. Au rêve de gloire. J'étais un peu d'accord avec toi, c'est ça que je voulais dire. Guillaume, bonjour. Bonjour, Laurent. Que fais-tu dans la vie, Guillaume? Je suis étudiant en journalisme. Et après, tu veux faire quoi? Du bidonnage comme Non, journaliste. Bon. Dans quel secteur? Politique, pourquoi pas. Ah oui, le sens de la fête est quand même très développé. Tu vas bien te faire chier. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à Aline? Je vais vous faire des vocalises. Oh là là. Eh oui, en hommage à Armand Altaï qui nous a quittés trop tôt. On t'écoute, Guillaume. Il va être épuisé. Qui vote la mort? Qui vote la mort dans l'atroce souffrance? Alors, j'allais oublier un détail. Il y a un nouveau jeu. Il y a un nouveau jeu qui s'appelle le mot interdit. Ah bon? Alors, je vous explique. J'ai le mot. Ah, vas-y. C'est un mot. C'est quoi? C'est un mot que j'ai écrit sur un papier. Un papier. Il ne faut jamais le dire. Il faudrait. Non, ça, c'est ma carte gold. Et voilà, alors celui qui dira ce mot prendra la tasse d'eau de flotte dans la gueule. Alors, moi, ah non, mais il y a. Attends. Il n'y a pas le droit de renvoyer l'eau, c'est pas la guerre de l'eau. Tu vas voir. On fait que ce qu'on veut, Bafi. Non, c'est ça, le truc, c'est le mot, ça va être la guerre de l'eau. C'est le mot c'est interdit, donc si vous le dites. Moi, j'ai juste une question, tu y tiens à ton moniteur ou pas voilà. C'est pas à moi, donc. C'est à Ruquier. Donc, on s'en bat les couilles. Arrête de me faire dire ça. Les gens pensent que je le dis en direct. Mais tu à dis tout moment. En direct. Qu'est-ce que tu penses de Nicolas Sarkozy? C'est un gros con. Arrête avec ça. Et sa femme? C'est une pute. Ses propos n'engagent que toi, Julie. C'est affreux, mais non, t'imagines. Là, c'est en direct. En tout cas, bravo. Hein. C'est là où on voit que Repin est vraiment une radio libre. Donc, les promos de tout le monde. Vous sortez, toi, un livre, un disque, une tournée, Spamlot. On va faire gagner des places pour Spamlot. Chouette. Monty Python, Spamlot, qui est au théâtre Comédia. Vous sortez des albums...
qui se ressemblent beaucoup, les deux. Non, mais j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup au niveau de l'univers. C'est un peu des standards, un peu de jazzy. Hein, ça tourne à la démonstration pour toi, parce que tu montres tout ce que tu sais faire et ça va dans tous les domaines. Je suis hyper flatté que tu parles de mon travail en pensant que c'est des standards jazzy. Il n'y a que des compositions. Non. Il n'y a que les originaux. Over the Rainbow, beg your pardon, is not your composition. Non, hein. C'est vrai. Over the Rainbow, right now. Ouais, c'est vrai. Comment je t'ai niqué. Comme ça, je t'ai baisé. Comme ça. Okay, t'es habitué à ce qu'on n'écoute pas ta musique. Oh. On va noter, hein. Oh merde, j'ai la gueule. C'est très joli. Et Dieu sait si je n'aime pas les noirs, hein, mais là. Je sais bien qu'on est à la radio et ça se voit pas que je suis noir. Donc s'il y a radio, un endroit où on peut... Radio. Donc, voilà. Okay. Vous avez la couleur chez vous? Toutes les blagues vont être là-dessus. La plupart. C'est joli, André. C'est super joli. Si c'était pas. Si Marco. C'était pas Marco. Je l'aurais franchement... Non, j'aime bien. J'aime bien quand il la joue crooner comme ça, un petit peu, quand il la joue super soft. Écoutons un peu le travail d'André aussi, qui est très, très, très jazzy, très... C'est comme Minier Oiseau. T42. C'est la grande vadrouille. Big moustache. Et vraiment, j'aime pas les Arméniens, mais là, bravo l'artiste. Oui, t'aimes personne en fait. J'aime PEF. Très bien produit. Émilie Loiseau avec son band, et c'était juste une histoire de fête. Chacun se retrouvait, on a tout enregistré en live, comme dans les années 60, dans un gros studio de jazz qui s'appelle Acoustique. Et puis voilà, c'est un moment de récréation. C'est comme un disque de Noël, mais qu'on peut écouter toute l'année. Ouais, voilà, bravo. Alors, la grande révélation de cette émission, c'est pas que vous chantiez, que vous chantiez bien et que vous soyez des bons producteurs. La grande révélation, c'est PEF. Parce que non mais attends, PEF. Ça va être d'ici tout à ce qu'il me demande de chanter. Non mais bien sûr, je vais te demander de chanter. PEF chante une comédie musicale, c'est la moindre des choses. Vous me direz, mais PEF chante bien. Je te crois pas. Oh, ça nous laisse sombre. 3, 4. Ah, il y a un piano. Et oui, il y a un micro. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, là-bas, vas-y. Du spectacle. Je suis tout seul. Avec moi-même, il n'y a personne là auprès de moi. Je suis si seul avec ma peine. Personne n'a plus la foi en un roi, pas même un copain avec moi dans ce triste et long naufrage. Porte ma lourde charge. Je crois que je fais un mauvais trip. C'est pas la fête du slip. Mais je suis seul. C'est joli en plus. Ouais, c'est joli. Tellement si seul. Carrément seul, je suis tout seul. Deux réactions professionnelles, Armand Altaï. Oh, adorable. Alors, je te demande pas de juger l'homme qui est une merde. Hein. J'aurais ton avis sur le chanteur. Ben, le chanteur est parfait, il est absolument naturel. Il a beaucoup, il est troublant. Il est troublant de. Voilà, de... parce qu'il est attendrissant aussi. Et encore un mot en. Il est bandant. Ouais. Tu l'as. Ce sera dans l'ordi la semaine prochaine. Tu penses de Nicolas Sarkozy? Il est bandant. Voilà ce qu'il va me faire dire la semaine prochaine. Non, mais tu fais pas d'œuvre. Mais moi, écoute, moi j'ai bien aimé le côté décalé. Roger Rod, Fish and Chips, To Eat, Hate, Eaten. Ouais, ça déchire, quoi. Et on va voir aussi l'avis d'un autre grand spécialiste. Nikos, bonjour. C'est bourrifant, c'est poustouciflant, vraiment.
J'en ai la chair de moule. Allez jusqu'au bout, lève-moi. Je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Andrew, bonjour. Oui, bonjour. Ta question. Une question pour André Manoukian. Non, merci, Pef a très mal pris. Alors, je dis à tous, Pef a très mal pris le fait qu'il n'y ait que des questions pour Florent Pagny la dernière fois. Donc, cette semaine, je ne veux que des questions pour Pef. Pascal, bonjour. Salut, Laurent. Question pour qui ? Pour Pef. Ah ! Pef, quelle est la capitale de la Syrie ? Eh ben, tu pourrais répondre à ça, car tu es né en Syrie, non pas à Damas, Armande, mais à Alep. Alep, oui. Voilà, je bosse mes invités, je travaille. Ça s'appelle du travail. Drucker n'a rien inventé. Voilà. Pascal. Ouais. C'était ça ta question ? Non, c'était pas ça. C'était. C'est une question qu'il y a dans Sacré Graal. La Syrie. Quelle est la ? Répète ce que tu viens de dire, Pef. Non. Répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'était une question qu'il y a dans le film Sacré Graal. Sacré quoi ? Sacré Graal. Eh bien, ce n'était pas le mot interdit. Gilles, oui. Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Attends, pardon, oui. Oui, quelle est ta question pour Pef ? J'ai Au revoir Gilles. Non, garde-le. Tu peux pas nous reprocher tout n'importe quoi. Quelqu'un va chanter. Mais non, mais les autres vont faire la gueule si tu leur piques leur question. Mais quelle autre ? Un coup c'est lui, un coup c'est eux. Maintenant c'est eux qui vont se fâcher. Mais alors, et Pef alors ? Mais Pef, ça y est, on l'a dans la poche. Non. Mais oh, répète ta phrase. La poche, c'est le mot interdit. Non. Ce n'était pas le mot interdit. Alors, celui ou celle qui prononcera le mot interdit sera dégoulinant. Ah non, pitié. Donc, on saura tout de suite. Alors, voilà, Marco, bah, montre-nous ta bite tout de suite, on va gagner 20 minutes. Tu t'es toujours déshabillé, Marco ? Toujours, toujours. Alors, on va faire une petite Starac, une petite nouvelle star ici. Il y a des gens qui vont venir chanter, qui vont être jugés par vous. Ils vont chanter 30 secondes, tout le monde va voter. Et celui qui aura remporté le plus de suffrages, à la fin de l'émission, il pourra faire sa chanson en entier. Ce sera une sorte de tremplin. La sienne, vraiment. Ta gueule. Une sorte de tremplin. Mais en plus, il y aura... Une PlayStation 3 avec un jeu. Le jeu SingStar, si je dis bien. Et si Armande m'y autorise, je rajouterai un cours de chant avec Armande. Ah, d'accord. C'est vrai. Car tu donnes des cours de chant. Bien sûr. Voilà. Et là, tu vas comprendre tout le sens du mot donner le cours de chant. On va commencer avec Laura. Où est Laura ? Elle Laura. Est là. Elle, elle est là. Bonjour Laura, tu es la première. Laura. Alors, c'est horrible, Laura, avec toi. Laura, Xavier, on a tous envie de baiser, hein. Je sais pas comment on l'idée. Mais là, on va écouter sa chanson d'abord. Laura, tu as quel âge ? J'ai 26 ans. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis chanteuse. Non, sérieusement. Je suis chanteuse. On t'écoute. 30 secondes. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When he gathered around and started talking, well, that's when Billy would take me walking. Through the backyard, we'd go walking. Then he'd look into my eyes, Lord knows to my surprise, where the only one who could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Yes, he was. Oh, yes, he was. He was, he was, yeah. He was, he was, he was, he was. 30 secondes, c'est pas 40, on l'applaudit. Pas mal, hein? Ouais, ouais. Petite réaction. Mathieu. Moi, je trouve ça bien, mais la chanson ne marchera jamais. Toujours l'humour, hein? C'est toujours cette dualité entre le jugement et l'humour. Madame. Mais moi, écoute, moi, j'ai bien aimé, tu vois, elle est partie comme ça, avec sa contrebasse et tout. Moi, j'étais transporté, quoi. Nicolas, bonjour. Bonjour, Laurent. Ah, attends, mets une jupe, mets une jupe. On est à l'antenne. Qui a oublié sa jupe? Qui a préparé le sac? Pardon? Eh ben on va perdre beaucoup de monde. Parce que les gens, ils ne les savaient pas, ils restaient, tu vois. Voilà. Tu peux dire juste pour l'audimat que tu n'as pas de culotte ? T'as une culotte. Bah écoute, trouve-le. C'est bon, j'y vais ?
sur l'oreille. Attends, je t'ai pas répondu. Salaud. Quel monstre. Mais tu lui fais perdre ses moyens, écoute. Quand tu veux, Samia. D'accord, merci. Sur l'oreiller, une larme. Dans mon souvenir, un drame. Tout ce qu'il m'a laissé, je m'en fous. J'ai pas besoin de toi, pas besoin de tes bras. Ton image reflète ce que j'aime pas. Quels que soient les recours, les appels au secours, surtout ne te retourne pas. Cours, cours loin, le chemin est long, avant qu'une autre te prenne la main. Merci. Vous êtes bien. Les candidats que vous choisirez par plateau, vous en retiendrez un par plateau. Il y a demi-finale, finale, quart de finale, ça va être éblouissant. Il faut quand même y aller, parce que devant un monstre comme toi... chanter a cappella comme le, ça, je vais te dire. Je suis bienveillant de cette table. Parce que des monstres. Sans déconner, il faut avoir du courage. Enfin, moi, c'est je trouve vrai. Vraiment parce qu'elle n'a pas tremblé. Il y avait un joli vibrato. De couilles qu'on n'a pas vu à cause du chant. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est horrible. Mais moi, je trouve ça dégueulasse votre boulot. Vous non, jugez. Mais t'es qui pour ta gueule? Toi, t'es qui pour juger? C'est vrai. Non, c'est horrible. Il est bon, il est bon. Non, c'est horrible. Non, mais t'es bon quand même. Mais t'es qui pour juger? Non, mais t'es bon. Je te cache pas, André, qu'on aimerait avoir la primeur d'une nouvelle petite phrase, des phrases qui t'ont rendu célèbre. Hein, elles sont d'ailleurs dans ton livre. Alors, je vais vous dire des phrases, vous me dites, c'est de lui, c'est pas de lui. J'adore ton vibrato tendu comme un string. Ah, c'est drôle, ah oui, c'est lui, c'est lui. Il y a string dedans. Tu chantes comme une chèvre et tu swings comme un âne mort. Hein? Si, ça pourrait être lui, ça, non? Mais c'est pas lui. Hein? Non, c'est pas lui. C'est, pas lui. C'est de qui, ça? Toi? C'est de moi. Ça sent trop le savon et pas assez la foufoune. Oh non, ça n'a rien à voir avec la chanson. Donc, c'est bah, c'est pas lui. C'est lui. Mais enfin, tu dis ça d'un chanteur ou d'une chanteuse? Oui, parce qu'il était trop appliqué. Donc, il n'était pas assez roots. C'était un chanteur, en plus? C'était un chanteur, ouais. Je peux pas dire quelque chose comme ça à une jeune femme. Oh, t'as fait pire, hein. T'as une voix de poissonnière, un look de morue, il manque plus que l'odeur. Oh non, il a dit ça. Non, c'est pas possible. C'est du Buffy, ça. C'est du Buffy. C'est lui. Mais t'es monstrueux. Je sais pas combien t'espères gagner dans ce métier, mais je te propose le double pour que t'arrêtes. Eh bien, c'est Laurent, c'est Laurent. C'est Laurent, hein, ouais. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Nicolas, bonjour. Bonjour Laurent, moi j'avais une question pour Marc Auprin. Eh ben non. Thomas. Bonjour Laurent, bonjour. J'ai une question pour Pef. Question pour Pef. Pef est très très demandé aujourd'hui. Est-ce que tu serais capable de faire une cascade de pouf le cascadeur dans le studio? C'est exactement évidemment. Ce qu'il voulait faire. Bah attends, bien sûr que je serais capable, mais ne me demande pas de la faire par contre. Pef, pas de préambule oratoire. La cascade, la cascade, la cascade, la cascade. Je te tiens, voilà, va pas te faire mal, hein, non plus. Continue et laisse-moi réfléchir de qu'est-ce qu'on peut faire ici sans péter. Il y a un truc sur lequel tu fais pas mal non plus. Ouais. Sans quoi, Pef, tu as dit? Sans quoi, flatuler, sans flatuler un... J'ai dit sans flatuler un objet. C'est pas le mot que tu as dit, Pef. J'ai dit sans contrepartie. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans casser quelque chose, tu as dit. T'as dit sans péter, ce n'était pas le mot interdit. C'est pas mal ce jeu, hein. On l'a toujours pas dit ce mot, c'est bizarre. Bah c'est non. Bah attends, mais il y a 30 000 mots dans la langue française. Mais oui, mais alors si c'est si difficile, on n'a aucune chance de le dire ce soir. Bah quand tu veux un verre d'eau dans la gueule. Non mais on peut régler ça, je dis. Ça serait drôle que tu l'envoies sur Julie plutôt que sur nous. Ah non, ouais. Attends. Oh, ce serait drôle. Ah non, pitié, parce que nous... Mais non, mais sur moi, t'es d'accord que c'est pas drôle. Tout de suite, la cascade. Ah. Une cascadette, alors, parce que ici, franchement, cascadette. Ça me prépare. Okay. Et puis, moi, je compte bien jouer demain, tu vois. Alors, je vais monter sur la table. Oh là là, les micros, fais gaffe. Je vais vous faire la cascade inattendue, d'accord? Oh putain, attends. La classique, hein, celle qui est sur le DVD. Hein. C'est incroyable.
Alors, les gens disent... Non, mais je tiens à dire aux jeunes qui ne nous regardent pas que ça me coûte 65 euros demain en ostéo, hein, aussi, il faut le dire. Les gens se disent, mais comment il fait pour pas se faire mal? Tu te fais mal. Bah, évidemment. C'est ça le secret. Tu le sais, tu m'as ramassé la petite cuillère à canne. C'est que tu te fais mal. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Moi, j'avais une question pour Marco Kraft. Ah, ben oui. Alors, je voulais savoir s'il avait déjà gagné contre Laurent Bastier au Burger Quiz. Mais on était toujours ensemble. Non, mais dis la vérité. La vérité, je l'ai éclaté sa mère. Ouais, bon, on appelle ma mère. On appelle ma mère. Oh. Il y a combien, je l'ai dans la cagnotte? Très fort, il est très très fort. 1 453 759 euros. Rappelons que ce jeu est une connerie, que personne ne gagnera jamais, que quand on fait gagner 8 milliards d'euros, que c'est pas possible. Alors, multiplie par 3. C'est vrai ? 4 361 277 euros. Je triple cette somme. Je viens de le faire. Je le refais. 13 083 831 euros. C'est beaucoup d'argent. Ni allô, ni bonjour. Et évidemment, on ne gagne pas la somme, mais on joue. On va surprendre l'auditeur. Sauf si c'est quelqu'un de la famille. Oui. Allô? Oh, quel dommage! Quel dommage! Oh, c'est trop bête! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Je le crois pas! Mais quoi donc? Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 13 083 831 euros. Ne jetez pas votre salive pour ça, c'est pas possible. Pas trop déçu, maman? Oh, merde! C'est sa mère! C'est ta mère? Maman! Oui, chérie! Alors écoute-moi, parce que t'as déjà gagné une fois 54 millions d'euros. Oui, tu dis à l'antenne que tu les as jamais touchés, que ce jeu est une connerie. Non, j'ai jamais touché, vous promettez toujours beaucoup de choses, ça c'est comme les téléphones, voilà. Et trucs, vous donnez jamais rien. Voilà. Et blanc dans la gueule de repas. Alors maman, je vais te faire des cadeaux, je t'offre le livre d'André Manoukian. Oui. Qui est bien, il est rigolo le livre. Oui, il est bien, il est mieux que lui. Non, lui il est bien. Les chiens font pas déjà en fait. Oui, vraiment, hein. C'est pas trop mon type Manoukian, mais bon, si maman, il a c'est pas pour baiser, c'est pour lire, maman. je savais pas. C'est pour lire, maman, c'est le livre, maman. Et il a fait un. Mais comment tu parles à ta mère? C'est vrai. Maman, c'est il a fait un disque qui va beaucoup te plaire, qui s'appelle So in Love. Je te l'offre aussi. Marco Prince, maman. Il a fait un Marco Prince. Ah, je ne connais pas celui-là. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant qu'il vienne. D'accord. Exactement. Oui, t'invites plein de gens que je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Maman. T'invites des inconnus? Oui. C'est ton fils à l'appareil, fais semblant de t'intéresser. Oui, je sais, c'est toi, mon chéri. Je fais la promo. Donc, Marco Prince, 24 images secondes, le 10 va te plaire. Armand Altaï. Oh oui. Eh ben, elle te donne rien, là, rien à te donner. C'est pas vrai. Un cours de chant. J'adore son look, à cette nana, moi. Oui, eh ben, c'est pas sûr que ce soit réciproque, maman. Et puis, on va t'inviter au Comédia, tu sais, c'est là où j'ai joué, maman. On va oui. T'inviter voir la pièce de Peps, c'est des Monty Python, c'est super bien. C'est oui, Monty Python Spamelot. Voilà. Du moment qu'on m'invite, moi, je vais. Hein. Voilà. Mais pourquoi vous venez pas à l'émission? Julie, c'est parce que Laurent ne veut pas. Mais grave, tu veux pas, toi? Il veut pas. Si, venez un jour. Je vous téléphonerai, puis vous me planquez oui. Dans un coin. Vous faites la surprise, hein? Ah, si, il faut venir. Oui. Tiens, venir. Non, mais il veut pas. Oh, il veut maman, pas, il veut Armand, pas. Elle a trouvé un album. Un CD, oui. Stérile à son, maman. Oh non, mais arrête. Mémoire. J'aurais pu m'appeler la semaine dernière qu'il y avait Mado, j'aurais été contente d'avoir Mado. Mais maman, Mado, elle est chroniqueuse, elle va revenir tous les 15 jours. Gros bisous, d'accord. Maman. Sois mignonne, oui, raccroche. Je t'embrasse très fort, mon chéri. Bisous à tous. Bisous. On vous embrasse. Comment ça s'appelle? Gigi, on vous embrasse. Alors, Armand, tu vas nous quitter, pas pour des raisons d'âge, là c'est que tu as un truc à faire. J'ai rendez-vous avec Tim Burton. Tu vas à la projo Armand du film de Tim Burton. Et le lapin me dit, je suis en retard. Ah, c'est Alice au pays des merveilles. C'est quoi le mot? Arrête. Je l'ai dit, en retard. Lapin. C'était lapin. Mais non, mais comment tu savais qu'elle allait le dire? Qu'elle parlait de Alice au pays des merveilles? Il est fou celui-là, non mais ça va pas, non? Dingue. Les dames.
lui jette de l'eau sur les dalles. Elle va à une projection. Mais t'es pas décoiffée, ça va. Mais t'es malade. Elle va à une projection. Tu pourras dire que je te fais mouiller. Oh là là, mais c'est pas vrai, la pauvre. Mais t'es nulle, Laurent. Mais vraiment. Elle regarde toute. Elle s'est pomponnée, elle est toute belle. Bravo, belle sortie, Armande. Au revoir, Armande. Au revoir, Armande. C'est dingue, hein. On est sur nous. On t'oubliera jamais, Armande. Oh, la connasse, j'ai cru qu'elle partirait jamais. Tu t'appelles William Manoukian ? Ouais, William Manoukian. Ouais. Je te passe ton père. Mais le salon de l'agriculture, c'est fini, hein. Ah, qu'est-ce que tu fais là encore ? Ah, je vais chercher. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi, que j'ouvre mes bras. À mon avis, tu vas perdre, mais dignement. Je fais tout à ça. Tu veux me toucher aux fruits de ma ferraille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Nani, nani. Passe-moi la carabine qui est derrière. Vite, parce qu'elle bouge pas, là. Oh, la pauvre. Non, mais on va la battre. Oh, c'est quoi ce bordel? Avec nous aujourd'hui, André Manoukian, Marco Prince, Rémi Marceau, Mathieu Gonnet et Pef. On va accueillir maintenant une jeune fille qui fait partie de la famille, puisque nous l'avons adoptée, c'est Axel Lafont. Ouais! Alors, les gens disent, mais alors, Axel, c'est quoi sa rubrique? Alors, ma rubrique s'appelle Fuck, 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 donc j'ai besoin de vous pour le générique. 3, 4. Fuck, Fuck, Fuck! Ok. Voilà, tout ce qui m'énerve, j'aurais pu dire fait chier, ça me casse les couilles, mais c'est pas très classe, donc fuck, ça ne sonne mieux. C'est mieux. Ouais. Alors, c'est parti. Fuck au clin d'œil, je trouve ça ringard. Je vais les enchaîner, pour pas qu'il y ait trop de moments de solitude. Au clin d'œil d'un mec sur toi ? Tous les clins d'œil en général. Mais pourquoi ? On en a l'usage des clins d'œil, pourquoi ça t'énerve toi ? Mais à quel usage t'en as ? Mais non, mais c'est pas possible. Non, je te dis non. Donc, fuck... Alors, je te préviens, on gardera que ce qui est drôle. Vas-y. D'accord. Quel enculé. Fuck jeunisme, racisme anti-vieux et en même temps fuck qu'il n'y ait pas encore un système de viager pour récupérer le travail de ceux qui vont bientôt crever. Elle me regarde, non, mais ça va. Mais t'es pas bien, ma pauvre fille. Ah non, c'est pas du tout pour toi. Eh, vous engueulez pas, vous avez 2 ans d'écart. C'est vrai en plus. Fuck aux chanteuses qui font semblant d'être timides même en disant fuck. Ah oui, je sais qui c'est. Je crois que t'es en train de rater ta vie. Non. La fin de ma vie, si tu veux. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Comment s'appelle la chanson ? Elle s'appelle... Fuck. Oh oui, fuck moi. Fuck me, please. Fuck, fuck, fuck. Voilà. Assistant. Voilà, la dernière, c'est juste fuck dans ce studio, je me souviens plus avec qui j'ai fait l'amour. Fuck, 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 fuck me please. Pourquoi tu me regardes, toi? Bah, parce que je sais. Merci, au revoir. Marina, on accueille Marina, qui n'est pas en place. Marina.
Marina. Marina n'a pas pu venir, mais elle a envoyé sa maman. Bonjour. Écoutez, je dois remarquer que je suis russe et je ne comprends pas presque rien ce qui se passe ici. J'ai bien compris que c'est le vrai bordel, donc je suis bardel. Chez moi. Vas-y, Marina. Spasiba. Comment on dit fellation en russe? Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги эти зимние вечера. Allez, кусок! Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Salut de Moscou, hein? Voilà. Merci beaucoup, Marina. Alors, ça soulève deux problèmes. Un, le problème de la chanson. Deux, le problème de la prostitution internationale. André, tu voulais réagir? Oui, elle donne des cours donc à des vieux messieurs, c'est ça? Je sais pas, je comprends. Écoute, pas. Moi, je voudrais féliciter ton courage parce que c'est un peu délicat que de venir dans la fosse au lion. Et puis après, on va voter. Si tu gagnes, tu chanteras à la fin. Comment on dit assis-toi en russe? Присядьте, пожалуйста. Et mentol tu. Isabelle, c'est à toi, Isabelle. Vous retenez, vous prenez des notes, il va falloir... Ah, moi, j'ai l'habitude de retenir très souvent, oui. Ah, moi, j'ai déjà choisi. Ah bah non, il y en a encore. Non, bah Isabelle va t'asseoir. Non, voilà, elle a c'est déjà pas choisi. Ce que je voulais dire, sur tous ceux qui viennent de Mathieu, passer... Mathieu, va lui baisser son micro. Oh, j'arrive. Sur ceux qui viennent de passer, voilà. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comédienne. Tu as quel âge? 25 ans. Tu fais plus. Peut-être mise en confiance. Mais là, déjà, du tout, je suis pas du tout rassurée parce que la chanson elle est en grec. Du coup, Nikos, tu veux la présenter? Ouais, une artiste pourrifiante et époustouflante. Isabelle, c'est parti, c'est à toi, tu peux chanter. Isabelle, c'est parti, tu peux chanter, c'est à toi, c'est parti. Vas-y, Isabelle, c'est parti, c'est à toi de chanter, Isabelle. Tout le monde t'écoute, tu n'as pas la pression, la star est là. La nouvelle star est là, Isabelle, c'est à toi, c'est parti. C'est à toi, c'est parti, Isabelle. Oh, la pauvre. Il apparaît que tout micro. Faites entrer la procession maintenant. Laurent. Mégalo fere muto. Anatolique c'est prenant quand même. Nanina. Tiens, passe-moi la carabine qui est derrière. Vite, parce qu'elle bouge pas là. Oh la pauvre. Non, mais on va la battre. Tu lui donnes sa chance comme aux autres. Isabelle, viens à table. Traitement de faveur pour Isabelle qui va venir à table. C'est vraiment là. C'est tiré d'une tragédie de Sophocle. Il y a une chaise derrière. Si, c'est quoi? En fait, allez-y. C'est, en fait, c'est une berceuse grecque. C'est une berceuse. Assieds-toi, Isabelle. Donc, c'est fait pour endormir un petit enfant. Oui. Et elle parle de quoi, alors? De la sodomie, hein. C'est fait. Le folklore grec. Ah, mais non, quand même pas à ce moment-là. Non, en fait, c'est une jeune maman qui... qui veut se donner la mort. Non, pas un peu dépressif, sous tranquillisant. Oh, l'exomine. Une jeune maman. Une jeune maman qui va endormir son fils et qui demande à la nuit de l'emporter. Mais vite, à la DAS. Très vite à la DAS. Pour qu'il s'endorme et de le lui rendre grand et fort. Ah, voilà. C'est beau. Et avec du travail. Et là, pourquoi? C'est beau. Et pourquoi vous avez choisi cette chanson, Isabelle?
Parce qu'elle est grecque. Vous êtes d'origine grecque ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Non, pas de raison alors. En tout cas, ceux qui font des castings, c'est terrible de faire des castings. Et ceux qui font notre casting, vous pouvez tout faire après. Hein. C'est comme les comiques qui font du cabaret. Ouais, ça, c'est vrai. Ils peuvent tout faire après. Si t'es passé par ici. Dernier candidat de cette session, Dark. Dark. Ah non ! Il a failli tomber. Bonjour Dark. Tu fais quoi dans la vie ? Bonsoir. Je m'appelle Jean-Michel Skywalker. Et je vais vous interpréter une chanson de Daniel Balavoine. Mais tu es qui par rapport à moi ? Je suis ton père. Ah d'accord, merci. Je vais donc vous interpréter une chanson de Daniel Balavoine. Mon fils, ma bataille. Oh, les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de ma ferraille, fallait pas qu'elle s'en aille. Laurent, cette fois je me sens tellement bien que je vais partir. Je sais, je suis bizarre. Eh ben, Pef, on va pas rester 2 ans sur un malentendu. Non. Je vais faire un bisou. Un bisou. Fais gaffe au verre d'eau. Notre musique, que les orchestres se mettent à jouer, que nos mémoires. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Laurent, je voulais juste chanter une petite chanson parce qu'on m'a dit que j'avais un bon organe. Allez, on t'écoute, Gilles. C'est drôle. On lui envoie un cadeau. Mais si c'est drôle. On lui envoie un cadeau. Oui, humour. André Manoukian. Bien joué. Bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. André Manoukian, bonjour. Bonjour, monsieur. Que faites-vous dans la vie ? Ben, je suis retraité des salaires. Quel âge avez-vous, André Manoukian ? 65 ans. Vous êtes beaucoup plus jeune que... oui. André Manoukian, ne quittez pas, je vous passe... André Manoukian. Et bonjour André. Attends, juste, tu peux dissimuler ta joie. C'est drôle. Non, mais c'est délicat. C'est, en même temps, c'est émouvant, quoi. C'est vrai. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Manouk en arménien ? Manouk en arménien ? Ouais. Moi, je sais. Ah ouais ? Je sais pas, c'est... Ah, vous savez pas. C'est pas joli, joli, hein. C'est mieux que vous le sachiez pas, hein, vraiment. Hein, pour ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses, ça veut dire l'enfant et en même temps, ça veut dire le guerrier. C'est sympa comme truc, non ? Comme concept. Ah, j'avais fils de pute, moi. C'est un pratiquement rien, hein. Je vous parlais d'où, Wikipédia, là. Wikipédia, c'est pas bien pour Clou. Est-ce que vous retrouvez des aspects de ça dans votre caractère ? C'est-à-dire que... À la fois, vous avez oui. On a, hein, on a la fois une on est... bipolarité, peut-être, André, non ? Vous êtes sous tranquillisant et à la fois nerveux. Dédé ? Oui. Ça toque, je cause. Oui, j'entends pratiquement rien. Hein. Oui. Ça, c'est la branlette, Dédé. Hein. Ça, c'est le côté nerveux. Ah, voilà, là, ça va mieux. Il peut y avoir dans le soleil le visant à chatte de ma mère et ses pères. C'est du pagnol. Attends, château de ma mère, château de mon père, château de ma mère. Attends, c'est la trilogie. Ça va être moi. C'est vraiment panique dans votre studio là. Eh ouais. Hein? Il y a une bonne ambiance. Vous vous éclatez là. Hein? Bah oui, grâce à André Manoukian. Eh oui. Dédé, l'apéro c'est fait. Oui. La pétanque c'est fait. Ouais, pas trop. Moi je bosse encore. J'ai fait une deuxième vie.
Raconte-nous. Ouais, ben, je suis parti à 51 ans de... Ah, moi aussi, à 51. Des Salins, et depuis, je suis poissonnier. Alors, un jour que vous passez sur Arles... Avec plaisir, avec plaisir. Dédé, concrètement, il n'y a pas des petits problèmes techniques quand on est poissonnier, par exemple non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui... Oh, non, attends. Dédé, quand tu rentres chez toi, tu sens plus du tout le poisson. Ouais, mais je sens pas très bon, hein, quand même. Ah, mes voilà. Mes petits-enfants, ils me disent « Oh, va vite te laver, hein !» Ah, ouais. C'est... Quelle bonne question, Laurent. Non, mais c'est pas... Alors, je sais qu'il sera coupé au montage. Je sais que ça dénonce beaucoup trop. Oui. Je sais que les grandes instances vont pas apprécier ça du tout. Mais c'est quand même une profession difficile. Oui, c'est parce que Dédé, on va pas. De travail. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Tu pues, Dédé. Tu pues le poiscaille, Dédé. Mais c'est affreux. Rassure-moi, ta femme est poissonnière. Hein? Ta femme est poissonnière. Ah non, elle s'occupe de la comptabilité, de la paperasse. Hein. Et est-ce que elle se plaint de l'odeur, comme toi, tu pourrais le faire parfois? Non, non, non. Elle a pas inspiré. Quel est le prénom de ta femme? Marie-Christine. Tu peux nous la passer, s'il te plaît? Bien sûr. Oui, allô? Marie-Cécile? Marie-Cécile? Oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Oui, bonjour. 6x9. Mais vous êtes comptable, vous faites les comptes et tout, donc il vous dit 6x9. Comment? Il vous dit 6x9 parce qu'on vient d'apprendre que vous teniez les comptes de la poissonnerie. Marie-Cécile, c'est bien. Non, on est obligé de vérifier, on a eu trop de problèmes d'URSSAF. Ah, voilà. Vous faites la fête quand même, hein? Oui, ben mais oui. Alors, comment on vit avec un homme qui sent le poisson quand il rentre à la maison? Ah, mais quand il rentre à la maison, il sent pas le poisson, il s'est lavé avant. Oui, mais quand même, il y a toujours des... Il n'y a que les habits qui sentent. Ah. Il change d'habit, il s'en part. Bon, donc c'est jouable, donc. Voilà. Bon. Eh ben, on vous envoie du Colin Pané, on n'a rien d'autre. Ah, c'est bien, on n'a pas de ça. Et puis des livres et des disques, on vous embrasse. D'accord, merci. André Manoukian, dit au revoir, André Manoukian. Ouais, je leur envoie des gros batchiks. Des gros? Ah oui, d'accord. Des gros quoi? C'est des bisous en arménien. Des bisous en arménien, voilà. C'est des œufs de pute séchés. Hein. Moi, je ne connais pas l'arménien, mais j'avais compris que c'était ça. Ben oui, on s'en doutait. Bisous. Qu'est-ce que je dis? Je tutoie. Hein, oui, oui. Ah non, 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 André, non, non. Non, non, mais c'est pas important. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Dis-lui que au mois de juin... Oui. Au mois de juin... Je il fallait l'avoir, je suis pas dans la main. Hein, au mois de juin, dans quoi? Dans un masse de Camargue. Pardon, attends. Dans un masse de Camargue. Il marie son fils. Dans un masse de Camargue, c'est le masse des pings. Oui. Les pings? Eh bien, si des fois, il savait pas quoi faire, quoi. Hein? Je l'invite au volontiers. André, tu il crois... Il pourrait manger des dolmas. Écoute-moi. Oui, les dolmas, c'est les feuilles de vigne. Tu crois qu'il a pas mieux à faire que de se taper 600 bornes pour aller bouffer tes feuilles de vigne dans un bled de merde? Tu connais pas, alors c'est pas des feuilles de vigne. Hein. Les dolmas? C'est les du dolmas, riz dans c'est les pas feuilles des feuilles de vigne. Ça, c'est des filles, ça. Voilà, ça c'est les Grecs voilà. qui se sont accaparés de ça. Le dolmas, c'est autre chose. C'est quoi? Ah ben, c'est un mélange alors, de non, tout. Non, simplement André, pour 4 personnes, alors. Il raconte bien, hein. Et raconte bien. C'est magnifique. Ouais. J'ai fait un film là-dessus, moi, ça s'appelait Les Clés de Pagnol, où j'ai décrypté. Et il y en aura au mariage, alors, des dolmas? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Voilà, André, on t'embrasse, toujours André. Écoute, je le félicite pour son... Comment on dit lâche-moi les couilles en arménien? Je ne sais pas. Quelqu'un le sait, ça me dépannerait, là. Parce... Non, je ne peux pas. Ça se dit pas, c'est... Bon, on t'embrasse. Allez. Merci André, merci beaucoup. Allez, bye bye. Ah là là. Tu peux dire juste pour nous, elle est fraîche, maman rue, elle est fraîche. Bon, on t'embrasse André. Allez, bye bye. Tu ne raccrocheras pas, c'est une fatwa. Il va rester là, vous allez voir. André? Oui. Non. On l'a déjà dit au revoir deux fois en plus. Il est toujours là. André? Oui. Comment il s'appelle ton fils qui va se marier? William. William? William? Ouais. On va l'appeler, on va lui faire un hello, dis bonjour. C'est quoi le numéro de William? Le portable, c'est un portable, hein? Oui, s'il te plaît, oui. Valérie, Christine? Valérie, Christine. Qui vient de te trahir, là. Hein? Le numéro de. Il n'y a pas de représailles quand tu gueules le prénom de ta maîtresse chez toi? Ouais. Écoute, je passe là. Oui, s'il te plaît. 06 72. Tu connais le jeu ni allô ni bonjour? Ah non. C'est un jeu, faut dire ni allô ni bonjour. Si tu dis ni allô ni bonjour, tu gagnes. En fait, c'est une connerie. Personne ne gagne jamais. Pourquoi? Parce que les gens sont polis. Julie, il y a combien dans la cagnotte?
13 083 831 €. Je triple cette somme. Oh, quel dommage! Il a dit allô. William! Oui. Quel dommage, William! Écoute, c'est Laurent Baffy. On t'appelait pour un ni allô ni bonjour. En décrochant, on t'a dit allô, donc t'as perdu la cagnotte. Il y avait combien, joli? 39 251 493 €. Pas trop déçu, William? Ben oui, comme vous dites. Tu t'appelles William Manoukian? Ouais, William Manoukian. Ouais. Je te passe ton père. William, c'est André Manoukian. Ah, c'est mon père. Hey, le vrai, pas le poissonnier. Hein. William, je suis ravi d'avoir un fils comme toi, mais c'est dommage, tu viens de rater 39 millions d'euros, mais je t'aime quand même, William. Tu vas te marier bientôt, voilà. Eh oui, bientôt, au mois de juin. Mon père, on vous a tout raconté. Oui. Oui, on sait tout. Comment elle s'appelle, ta future? Carolina. Et ton ex? Comment s'appelait ton ex? Chut, Caroline aussi. Pardon? Caroline, Caroline aussi, tu aussi. Parles, bien sûr. Oui. Ouais. Tu nous prends pour des cons, s'il te plaît? André? Oui. Comment elle s'appelait son ex? Ah, je sais pas. Et pourtant, tu l'as baisé? C'est monstrueux. Ouais, il est monstrueux. William, passe-moi Caroline. Caroline, je sais pas si elle voudra vous parler. Hein. Ah, pourquoi? Elle nous aime pas? Elle est très sage. Ah, elle... bon, on va s'occuper d'elle. Je vois pas, je vois pas. Oui. Caroline, bonjour. Bonsoir. Et tous nos voeux de bonheur pour ce mariage à venir. Merci beaucoup. Tu te maries quel jour? Le 5 juin. Mais tu es pleine? Pardon, tu attends un heureux événement? Non, pas encore. Mais pas encore. Non, parce que souvent, les gens se marient avec des envies le veto. Non, mais non, là, c'est pas le cas. Mais le salon de l'agriculture, c'est fini, hein? Alors, qu'est-ce que tu fais là encore? Je l'ai cherché. On va vous envoyer un cadeau le 5 juin. Un cadeau de repas. On vous fait des gros bisous. Voilà. Merci, oui. On vous embrasse. Voilà, c'est bien de rester sur une note un peu romantique. Ouais. Voilà. Elle est mignonne, Caroline. Hein. Ouais. Très mignonne. Et puis elle doit aimer la bite. Hein. Jélila, c'est à toi, Jélila. Bonjour, Jélila. Alors, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Jélila, j'ai 30 ans. Je suis tuniso-suisse. Je suis dans le métro, ça fait 3 ans. Quelle station? Châtelet et Saint-Michel. C'est quoi les mieux? Saint-Michel. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est très touristique. Les gens et que ça change beaucoup en fait. Donc on a toujours un nouveau public. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Oh, oh, oh. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down, down, down. Bravo, un petit commentaire. Philippe Manœuvre. Ben moi j'ai bien aimé, elle est arrivée comme ça tout doucement, alors qu'elle chante dans le métro, elle était déjà là, ils étaient pas en grève, alors rien que ça, moi franchement je trouvais ça génial quoi. C'est bien ce qu'elle a fait. Raphaël là va se mettre en place. D'où la difficulté de se coiffer dans un orchestre symphonique si on se mange des cymbales. Non mais je dis aux enfants, faites attention chez vous si vous êtes dans un orchestre. Allez. Raphaëlla, bonjour. C'est Raphaëlla. Tu fais quoi dans la vie? Je suis hôtesse d'accueil. Dans quel contexte? Où tu accueilles? En entreprise. D'accord. Et tu chantes depuis? Depuis l'âge de 14 ans.
Tu as 14 et demi maintenant? Non, j'ai 22 ans maintenant. Quand tu veux, Raphaël. I think I like how your body feels next to me. Oh baby, when you're kissing me. Oh baby, when you're loving me. I can't describe what I wanna do to you tonight. Oh baby, when you come to me. I'll make it so you never leave. Can you rock with me? Non-stop with me. Can you take to the top with me? I just wanna love you, baby. Always freaking love you, baby. Can you roll with me? On and over me. Can you take control of me? I just wanna love you, baby. Always freaking love you, babe. Alors, laisse-moi deviner. Ça sent trop la chatte. Non, mais. Je peux reprendre tes phrases. Ça sent pas assez la poule. Non. C'est quoi le problème? Non. Ça pue sous les bras. Non, mais il y a sûrement une expression qui convient. Non, moi, voilà. Quand on se retrouve devant un acte comme ça, si tu veux, on se sent un petit peu. Un acte manqué, tu veux dire? Non, devant une prestation de ce niveau, parce qu'elle est d'un grand niveau, avec une métrique impeccable. Pourquoi on se sent bien? Parce que juste, on a l'impression qu'on a des repères dans le temps, si que tu veux. Calé. Et le temps, c'est un truc qui n'existe pas. Si tu lis Bergson, il te dit que c'est une invention. Parce que le problème, c'est qu'on voit le temps dans l'espace. Alors Bergson est là surtout parler de rire. Mais oui, mais quand on se retrouve dans une prestation, devant cette prestation-là, tu te fous toi-même. Où on sait, si tu veux, on a un repère. On a un repère dans l'espace, on a un repère dans le temps. Tout d'un coup, on se sent bien. Alors, on a l'impression qu'on contrôle. Et si tu mademoiselle, fermes un peu ta grande gueule. Alors, c'est la contrôle complètement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fermes un peu et là, ta gueule, on peut se retrouver dans cette espèce de problématique. Qui envoûte qui? Et moi, je dis, là, je t'habite. C'est là, elle t'habite. Qui nous envoûte. Voilà. Yeah. Je dis, c'est elle qui nous a envoûté là, sur cette fois-ci. Alors... Et je vous demande de l'applaudir encore une fois. Deuxième truc. Moi, ce que j'aime. Attends. Regarde, non, mais regarde son aspect aussi. À un moment donné, il y a les caméras qui lui tournent autour, quoi. Tu vois, elle jette à peine un œil. Elle est vraiment dans son truc. Comme Le Pen. Putain, c'est dur. Non, et puis lui, il est très déstabilisant dès le début. Ça veut dire, ouais. C'est ça que j'aime chez ce mec. C'est un dynamiteur. On a eu Jelila Raphaël. Sébastien, bonjour. Bonjour. Tu t'es pété le pied? Oui, je suis tombé des escaliers. Oh, bah alors. Comment ça s'est passé, Sébastien? Bah, on me courait derrière et j'ai raté la marche et je suis tombé. Qui te courait derrière? Mon petit copain qui est dans la salle. Ah. Et c'est-à-dire que tu es gay? Oui. Personne ne filtre? Personne. Alors, c'est top au PD. Alors, on laisse. Alors, on laisse. J'en fous. Ok, admettons. Ok, soyons dans cette optique de tolérance. Hein. C'est pas sympa. Laissez pas démonter. Vous laissez pas... Te laisse pas monter, déjà. Rien. J'assume ce que je suis. Et bravo. Tu as bien bravo. Raison. Oui. Et si tu avais... Écoutez... Ça nous renvoie au livre de Jean-Marie Perrier. Oui, exactement. Dégage. Et le refuge. On t'écoute, Sébastien. C'est quel genre, toi? C'est... Variété française. J'adore. Ah, bah quelqu'un qui va chanter J'adore. En français, quand même. Ta braguette. Ah. Elle est fermée. C'est ça le problème. Laisse-le chanter. Allez, mais laisse-le, écoute. Mais ils font chier les candidats. Ils font chier les candidats. Laisse-le chanter. On est tout oui. Allez, vas-y. Quelquefois je dis des mots bizarres, quelquefois je parle trop, et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Allô? Quelquefois je ris à contre-temps, tu n'y comprends rien du tout, et tu me regardes étonné tout à coup. C'est pour toi, toi que j'aime encore, c'est pour toi que je suis là, c'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras, c'est pour toi aussi que j'aime les enfants. Ah. Si on a les mœurs au cul, on saura d'où ça vient. Ah, allez, c'était bien. Et la réaction. Très joli timbre. Il s'est pas démonté. Tu l'échanges ou pas? Non, c'est bien. C'est bien. Ouais, non, c'est attends, bien. Sans belle, musique, ouais. Là, bah en se prenant, oui.
trois vannes avec moi en face. Non, bravo. Le pied. À mon avis, tu vas perdre, mais dignement. Quoi ? Mais tu as déjà gagné, Sébastien. Fabien. C'est pas à toi, Fabien. C'est régulièrement, on t'appelle pour te dire c'est pas à toi. C'est pas vrai, putain. Tu peux l'appeler maintenant qu'il est... Il veut y aller, là. Fabien. Ah. C'est à toi, Fabien. Ah. Oui, mais moi, je le ferai qu'une fois. Fabien, présente-toi. Fabien, 24 ans, j'habite dans le 93. Et... je vais vous interpréter « Quand on n'a que l'amour ». Tu fais quoi dans la vie ? Sans emploi. Tu cherches un truc ? Ouais, ouais, je cherche. Dans quel domaine ? Prêt-à-porter. Ah, d'accord. Carrément. Pourquoi pas ? Mais oui. Je sais pas, ça m'a surprise, alors. Encore une réflexion arménienne à bon escient. Quand tu veux, Fabien. Quand on a que l'amour. On me dit que c'est pas à toi, Fabien. Oh, tu lui. Non, c'est vache. C'est pas grave, j'ai tout mon temps. Il n'y a pas de souci. Allez. Quand tu veux. Quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien. Que la force d'aimer nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Alors, on ne retiendra que la fin, monde entier, qui me fait penser à Serradant, Julie. Un écran pub. Non, ce qu'il y a de bien avec ce jeune homme, c'est qu'il a déjà un plan B, le prêt-à-porter. Moi, je pense que c'est ce qu'il va garder. C'est ce qu'il va garder parce que c'est... Sans déconner, c'était super faux. Ouais, c'était vraiment très faux. Adorable, mais super faux. Il faut pas s'attaquer à des monuments comme ça quand on est... Oui, surtout Aznavour, c'est intouchable. Dernière chanteuse, comment se prénomme-t-elle ? Merci Isabelle. Non, il y a Roberto, Roberta. C'est un chanteur. Roberto ? Ah, c'est Roberto, non ? Roberto ou Roberta ? C'est là-bas. Roberta, mon amour. C'est Roberto ou Roberta ? C'est Roberto. Le micro est éteint. Allumez votre micro. Là, j'y vais pas, là. Alors. Non, attends, faut que vous ouvrez son micro. Non, pas toi. Ah, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert. Alors, où en était-on ? Non. Où en était-on ? Ah, je l'ai, toi. C'est mes poids. Un, deux, trois, un. Roberta, bonsoir. Bonsoir. D'où viens-tu, Johnny ? De São Paulo. De São Paulo ? São Paulo. Je vais chanter. Toi, je te connais, toi, je t'adore. FFF, Fédération Française Suisse Fossing. Toi, j'ai des défaits, pardon. Alors, je chante une chanson de Niagara. D'où viens-tu ? De São Paulo. Je t'ai dit, tout sourd, hein, toi, c'est là, hein. Quelle clinique exactement? Alors, tu vois, je peux chanter? Chez Pitangui. Je chante une chanson de Niagara. Ah. C'est l'amour. Il y a une chute. Bravo. Tu vas toutes me les chier, je comme ça? Je ne connais pas ton texte. Mais c'est pour ça, alors, tais-toi, ferme ta gueule, d'accord? Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Ferme ta gueule. Alors... Quel vous chantez tous Roberta, tu m'as dit. Tous ensemble qui chantez Aou, Aou. Aou, cha cha cha. Et Aou, cha cha cha. Ah oui. D'accord ? Mm-hmm. Allez, on y va. 3, 4. C'est l'amour dans les fesses. Aou, Aou. Venez, venez, messieurs. Aou, cha cha cha. C'est bien. C'est l'amour à la plage. Dans les bois, je me baisse. Aou, aou. Pour 20 euros, c'est peu. Aou, tcha, tcha, tcha. Alors, il y a des clients ou pas? C'est bien ou pas? C'est bien? Je sais pas, tu vois, j'ai pas la chute. C'est très bien. Comme tu me l'as chié avant, tu passes pour un con. Allez. Bravo, Roberto. Roberto, à toi. Très, très bien. Alors, on va finir l'émission sur le vainqueur. Levez la main, tous les gens, toutes les personnes qui ont chanté, levez la main. Il y en a d'autres en régie aussi. Alors que tout le monde revienne. Ah oui, il faut revenir comme au César, allez. Je voudrais demander en priorité leur avis aux professionnels.
André, quel nom as-tu retenu ? La demoiselle qui a la coiffure de Désirless et qui a la voix pas possible. Raphaëlla. Et toi ? Raphaëlla. Et toi ? Moi aussi. Et toi ? Et moi, c'est moi. Nikos ? Moi, j'ai bien aimé également Raphaëlla. Elle était dans le groove. Elle était cool. Place cool, quiche cool même. Super cool. Et j'ai aimé qui cool, excusez-moi. Philippe Manœuvre ? Mais moi aussi, j'ai bien aimé Raphaëlla, quoi. J'ai envie de Raphaëlla, mais who are you, quoi ? Who are you ? Mathieu Gonnet. Pareil, c'est ce que je disais à Julie, pour moi, c'est Raphaëlla. L'unanimité, peut-être je vais mettre un bémol dans tant de voix. Et moi, c'est la chanteuse du métro. Moi, c'est Jelly, là. Ah ouais, c'est vrai. Qui a eu quand même deux changements pour venir, on peut saluer cette performance. Raphaëlla, lève-toi, tu as gagné, donc tu vas chanter ta chanson jusqu'au bout. Bravo. Alors, on rappelle, Raphaëlla, ce que tu as gagné. Alors, tu as gagné une PlayStation 3, offerte par Sony, bien sûr, avec le jeu SingStar. Plus 2 heures de cours avec Armand Altaï. Plus un filet garni Europe 1 avec des tas de cadeaux. À propos de cadeaux, on va départager Aline et Guillaume. Qui a gagné entre Aline ? Liberté. Tout l'été, laissez-moi. Tu te rends compte qu'elle a chanté non-stop. J'ai gagné hein. Les deux, putain. Laissez-moi. Bon, t'as laissé, Aline. Hein. Allez jusqu'au bout. Elle a baissé. Du hein. Rêve. Et les vocalistes de Guillaume. C'est moins dur, les vocalistes. Je ne vais pas vous influencer. Qui vote pour Guillaume ? Je ne sais pas quoi choisir. Hein. Qui vote pour Aline ? Aline, t'as perdu. Aline, stop. Aline, c'est fini. C'est fini, Aline. Allô ? Allô, c'est fini, Aline. D'accord. C'est toi qui as gagné le portable LG, le New Chocolate BL20. Aline, comment on se sent ? Comment on se sent après Mr. Church ? J'ai plus beaucoup de voix, là. Je pense que les voisins vont me maudire demain. Tu es contente, t'avais un portable pourri, j'espère. Oui, il était bien pourri en plus, c'est parfait, je suis bien contente. Bon, on te fait des gros bisous, on te félicite, bravo Aline. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo. Merci beaucoup les amis de votre gentillesse, de votre humour et de votre participation. Ouais. Raphaëlla, tu as gagné, on t'écoute ta chanson en entier et bravo. I think I like all your body feels next to me. Oh baby, when you're kissing me. Oh baby, when you're loving me. I can't describe what I wanna do to you tonight. Oh baby, when you come to me. I'm making so you never leave. Can you rock with me? Non-stop with me. Can you take to the top with me? I just wanna love you, baby. Always freaking love you, baby. Can you roll with me? All and over me. Can you take control of me? I just wanna love you, baby. Always freaking love you, babe. See, I don't know if I get in or do. I'm just a friend. Oh, baby, I can't pretend. Oh, baby, I'm so far in. But I don't mind as long as I could have you in my life. Oh, baby, I'm satisfied. Yeah, baby, if you wanna just mind.